Moi, quand on me demande de faire un duo avec un artiste que j'aime, parce que je ne fais pas des duos avec des gens que j'aime pas, bien sûr, un artiste que j'aime, je n'y vais pas en me disant je vais lui faire un hommage, je vais en me disant amicalement on va chanter ensemble. C'est un acte d'amitié plus qu'un acte d'hommage. Qui commence? C'est un homme magique. Il a la souffrance d'un lezier, il a la beauté d'un lezier, il a tout ce qu'un artiste peut avoir. Il a 84 ans, il est là. Ça, c'est pour moi la magie de l'artiste. Je dirais qu'Aznavour, c'est peut-être le plus grand artiste du continent européen depuis la musique pop. Et là, c'était pour moi quelque chose à faire. Je le fais avec un honneur et avec plaisir. Que c'est quelque chose de rêve, avoir quelqu'un comme toi, avec la force, avec l'art, avec le style, avec tout ce que tu représentes pour tous nous les artistes. Non, parce qu'on ne voit pas l'âge à toi. Toi, tu n'es pas l'âge. Non, moi je ne vois pas. D'abord, j'ai enlevé tous les miroirs de la maison. Je pense que le public sera intéressé aussi de voir comment ces artistes s'articulent dans une langue qui n'est même pas la leur et qui nous fait en même temps plaisir à nous. C'est trop triste Venise, autant les amours mortes. C'est trop triste Venise,